C'est ta petite soeur. Où ça y est? Il faut prouver, montrer que vraiment tu regrettes. Il y a des démarches que tu regrettes. Or, si tu restes dans ton coin, c'est comme c'est nous qui forçons les choses. Tu ne dois pas rester dans ton coin. C'est pas moi qui t'apprends la sagesse. L'âge que tu as, c'est l'âge de ma mère. Or, l'expérience de la vie nous apporte la sagesse. Donc ça doit t'amener à être sage. Et ton attitude de sagesse, ça doit t'amener à t'humilier pour garder le bon contact avec la famille. Or, si tu ne gardes pas ça, tu seras exclu de la famille. Or, c'est ça, les gens n'aiment pas. C'est vrai qu'ils font des repentances, ils disent des choses, mais ne s'humilient plus après. Je comprends qu'ils ont fait du mal aux gens, et même si les gens, dans leur comportement, c'est un peu bizarre, eux doivent garder l'esprit d'humilité. Parce que les gens doivent comprendre, ça va prendre du temps. Ça, il faut que vous savez, sachez que ça met du temps qu'on accède, mais il faudrait que les gens sentent que vous-même, vous regrettez ça. Dans votre comportement de chaque jour, vous regrettez la manière. Même si on te dit des choses, il faut toujours demander pardon. Ça, c'est important. Comme ça, vous garderez les bons rapports avec la famille. C'est une famille. Quand même une seule personne tuée, c'est grave. Ôter la vie à une personne, c'est trop grave. Non seulement ça vous avez tué, vous avez gâté des vies. Aujourd'hui, ils vous pardonnent, c'est vrai, même si. Mais ils vont, ils vous regardent après. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est toi. On t'en est parlé. C'est ce que tu as fait là. C'est ce que Dieu a mis au grand jour. Pourquoi? Parce que tu as été méchante. C'est ça? Ça ne devait pas même sortir. Mais aujourd'hui, toi, pourquoi est sorti au grand jour? Parce que les gens t'ont porté dans le cœur et tu les as trahis. Donc tu n'as pas voulu que ça soit à huis clos. Que ça soit au grand jour. Or Dieu permet ça, non seulement ça, pour t'écraser, te briser. Et dans le brisement, il y a l'élévation. Dieu châtie celui qui aime. Tu as bien compris. Peut-être qu'il va traduire ça après. Mais il faut, à part ici, ta démarche que tu dois mener près de la famille, qu'on sente que c'est une dame qui regrette. Pas une dame qui vient dire, ah, non. Comme ça, tu vas garder les bons rapports avec eux. Parce que tu oublies de vivre avec eux. Si toi, tu n'attraites pas ça, ils risquent eux-mêmes de couper avec toi. Ah oui? Il faut les faire oublier à ton comportement. Ça serait pas facile, hein, ça je te dis ça. Ça serait pas du tout facile. Mais eux aussi sont obligés de faire avec parce que c'est une parente. On ne choisit pas un parent. Donc il faut changer la manière de faire. Moi, j'étais délivré. Tu es venu à dire votre ma vie comme ennemi. C'est pour ça que vous êtes des sorciers. Moi, ça me dit rien. Au moment où les gens étaient choqués, ils disent, oh, il faut que je te protège. En t'amenant loin, pour que je digère ça. C'est ce que j'ai fait en t'amenant à Zaro. Mais après ça, tu es dans ta position. Moi, je ne vais jamais te rejeter. Je ne suis pas appelé à ça. Je ne suis pas appelé à rejeter les gens. Mais il faut, Dieu, là, il faut le prendre au sérieux. Tu as compris? Si tu prends Dieu au sérieux, Dieu fera de toi ce que toi. On oublie, ils vont oublier tout ce qui s'est passé. Dieu aussi t'aime. Nous, c'est notre manière de délivrer les sorciers. Que quelqu'un vient traduire ça comme il avait traduit, moi, je m'en fiche. C'est pour ça que je m'en fiche. Donc, c'est toi qui dois faire pour que les gens oublient. T'as pas vrai? Tu as été très méchante, très mauvaise. Mais comme lui, il est venu pour les mauvaises personnes. Jésus m'a dit, il est venu pour les mauvaises personnes.
Il n'est pas venu pour la justice. C'est quand tu es mauvais, la justice te prend. Ce qui est intéressant, c'est que tu as nommé pardon. Nous allons continuer de faire cette démarche près de la famille. On va essayer de t'aider la famille. Mais la famille, s'il te plaît, hey, la famille, tu vois là, c'est une richesse. Et je m'adresse à tout le monde. La famille est une richesse. Ne permettez pas au diable de vous trahir, de vous utiliser pour détruire les familles. Non. C'est pour ça que j'invite tout le monde, ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, de nous faire délivrer. Parce que tout compte fait, un jour ça va sortir. Comme pour elle. Ça va sortir un jour, au grand jour. Ouais, elle a eu la chance aujourd'hui, elle était. C'est pour ça que les sorciers, avant de mourir, ils font des aveux. Ils font des aveux parce qu'on ne meurt pas à ça. On ne meurt pas à ces secrets-là. Ah, il vous dit après, vous dites, je vais parler avant de mourir. Et puis il dit tout. Et quand il meurt, il va en enfer. Tout droit en enfer. C'est pour ça qu'eux-mêmes, les sorciers, ils ont peur de mourir. Il y a une dame la dernière fois, elle est vieille. Elle ne veut pas parler, elle s'est enflée. J'ai dit, mais pourquoi elle dit, elle sent qu'elle va mourir? Mais il faut mourir. Elle dit, non, elle dit, mais tu as apporté quoi à toi? Parce que tu es là. Ton âge que tu as, tu. Elle ne veut pas mourir. Or, elle est tue. Les sorciers, comme ça. Tu as compris? Nous sommes dans le Seigneur. Le nom, c'est Jésus. Les gens disent, ah, le prophète lui-même, j'ouvre les sorciers. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Quand tu as un sorcier devant toi, prophète, à mon nom, chiffre-le 5 fois d'abord. Je leur ai dit non. Je ne suis pas fait pour chiffrer les gens. Dieu m'utilise pour changer les gens. Voilà, pour les transformer. C'est ça. C'est ça le cœur de Dieu. Tout le monde dit, elle est tuée. Tout le monde à la fois. Ayant le cœur de Dieu. Amen. Voilà. L'amour de Dieu. Ça nous amène à aimer les prochains. Nos prochains. Est-ce qu'on va bien saisir? Souvent les gens aimeraient qu'on règle leurs problèmes là, comme eux ils pensent. Non, le prophète, mais ça m'a dit, gérer ça là. Moi je gère ça comme Dieu veut. Selon la Bible. Parce que tout compte fait, il y a l'aspect pardon, miséricorde, et puis d'amener la personne à Dieu et tout ça dedans. Tu as compris? Amen. Amen. Je pense qu'on doit retenir l'essentiel. J'ai envie de prier pour cette dame-là. Madame, venez. Depuis là, tu as baissé ta tête. Viens. Oui, je la vois toujours. Elle n'est pas la tête, sa tête en bas. Comment elle l'avait? Adjoa. Dis quoi, ça va chez elle? Ça va. Toi et moi, on ne sera jamais ennemis. Mon combat, c'est contre Satan. Frère, ce qui est en toi, là, qui ne plaisait pas. Ce ne sont pas tes ennemis. C'est pas vrai. On ne t'a pas aussi humilié. C'est Dieu. Quand tu as fait des vilaines choses, tu as voulu que ça se passe comme ça. La terre, merci tout le monde. Il faut pas les voir comme non, tout le monde. C'est vrai, vous l'aimez. Vous l'aimez. Moi, je sais que vous l'aimez. Mon nom n'a pas de même, mais c'est ça. Mmh.
Amen. Tu vois ça bizarre? Ah, vous faites ce sens. Oui, il faut aider les gens. Satan ne soit plus le maître de ce cœur. Que le diable ne soit plus le maître de ce cœur. Chasse la présence des ténèbres dans ce cœur. Chasse la puissance de Jésus-Christ. Jésus règne désormais sur cette vie. Tu deviens le roi. Tu dis dans ta parole, tu frappes. Entre dans ses cœurs et transforme sa vie, Jésus. Transforme-la, Jésus. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Merci. La manifestation de ton pouvoir. Merci. Satan n'a plus de pouvoir sur terre. Les démons n'ont plus de pouvoir sur terre. Sauve-la, Jésus. Sauve-la. Nous comptons sur toi. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Le péché du jugement et de justice. Sauve-la, consomme-la. Vous êtes à jamais vaincu de cette vie. La puissance de Dieu. Délivre ta vie. Jésus te libère. Jésus te libère. Amen. Vous allez vous approcher la famille. Donne-moi le secrétaire. Nous allons prier pour toute cette famille. Et ça, c'est vraiment important. Amen. Envoyez prier. J'ai dit trois bouteilles. Vite, vite, s'il vous plaît. Vous fermez les yeux. Je demande à tout le monde de tendre les mains ici. Seigneur,
Je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, mes yeux. Soit guéri dans le nom de Jésus. Amen. Nous prions ensemble, le Seigneur. J'aimerais que tout le monde ouvre la bouche et nous intercédons pour ces familles. Nous voulons te prier, Seigneur, notre Dieu, pour vous. Nous levons la voix contre ce homme. Et nous invoquons ton Seigneur, Jésus. Nous t'invoquons, Seigneur, notre Dieu. Parce que la Bible déclare que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Nous invoquons le nom de notre Dieu. Nous évoquons le nom de notre Dieu. Nous te prions, Seigneur. Oui, lève-toi et agis pleinement et puissamment dans la vie de ce bien-aimé. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta main. Oui, nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur toi. Jouba, Shabbat, Jouba, soutenu. Nous avons prié sur la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le diable soit jamais vaincu. Oui, mais ton frère, règne du diable. Au nom de Jésus. Fais aux œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons à jamais le pouvoir des démons, le pouvoir de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, merci de te manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci. Je l'ai honte. Thank you.
Amen. Voilà. J'ai envoyé l'équipe chez vous demain pour consacrer tous les matins. Que la grâce de Dieu soit jamais sur vos vies. Amen. C'est vrai qu'on décide d'invoquer Dieu, Dieu répond. Si tout est Dieu, ça Dieu est sorti dans le bleu. Au travers de ce programme, après cette rencontre, que la force soit tombée vers votre vie, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Que Dieu confonde à jamais vos ennemis. Amen. N'oubliez pas une seule chose, le pardon, c'est une vertu. Et Dieu nous appelle à ça. Ce sont les chrétiens doivent pardonner. Alléluia. Amen. Si le Seigneur pouvait rentrer, que Dieu vous bénisse. Amen. Et il est là-bas, on nous n'a pas mon aller. L'amour sous-nous, on n'a pas mon là-bas, on nous n'a pas mon aller. Il est là-bas, on nous n'a pas mon aller. Soyez bénis. Et